Bonsoir, je suis très content de vous retrouver pour le deuxième ZDR consacré au festival Héroupe. Aujourd'hui, on va voir deux spectacles, Rare Birds et Les Dodos. Gros succès pour ces deux spectacles. On va aller demander aux gens ce qu'ils en ont pensé et on va capter un peu prendre la température, comme on dit dans le milieu. C'est parti. As-tu apprécié ce spectacle ? Tout à fait, oui, énormément. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'apprécie dans ce genre de spectacle, c'est la complicité entre le groupe. C'est-à-dire que voilà, c'est les corps qui se mélangent et la confiance qu'ils ont les uns envers les autres. Voilà, ils peuvent se laisser tomber dans les bras. Voilà, ils ont un regard, en fait, toujours les uns avec les autres, que je trouve très beau à voir et presque émouvant. Ce que j'ai beaucoup aimé, ouais, c'est l'histoire qui nous a été racontée, en fait, qui est très visible. On a ri, on a eu peur tous ensemble, et non, c'était vraiment très, très chouette. De la douceur, de l'amitié, de la violence, de la peur, du combat, ouais. Il y avait beaucoup de choses. T'as peut-être prévu de voir d'autres spectacles pendant le festival? Oui, je vais en voir un autre jeudi soir, de Martin Haïs, je crois. D'accord. Il y a Loop et l'autre, okay. Mais je vais en voir d'autres, ouais. Je suis l'instinct. C'est le titre qui t'inspire. Exactement. Donc là, j'irai voir Herbe Tendre parce que, je sais pas, le terme m'inspire et je fais confiance. Là, depuis les années, je fais confiance à Héroupe en général pour me surprendre. Voilà pour le spectacle Rare Birds. On enchaîne tout de suite avec Les Dodos. Est-ce que ça vous a plu? Je vois de grands sourires, de larges sourires. Ça vous a plu? Ouais, c'était génial, vraiment un chouette moment. Juste après, il y a à la fois beaucoup d'humour, c'est très drôle, il y a des moments poétiques, il y a de la grosse technique, il y a tout ce qu'il faut pour faire un spectacle vraiment super, quoi. C'était très, très, très chouette. Il y a de l'émotion, il y a de l'acrobatie, de la surprise, voilà. Il y a un fil conducteur quand même, c'est le cirque contemporain, en fin de compte, il y a des choses qui passent, quoi. Vous avez prévu de voir quoi comme autre spectacle là, pendant le festival? Alors, je sais plus. Alors, jeudi soir, on va voir la soirée jonglerie avec Il est trop tôt pour un titre, je crois, ouais. Et Loop. Et dimanche, on va voir l'autre spectacle sous chapiteau, la compagnie Un loup pour l'homme, avec Rare Birds. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Le deuxième ZDR consacré au festival Héroupe est à présent terminé, mais je vous rappelle qu'un concours se déroule actuellement sur notre page Facebook, donc je vous invite à y aller, facebook.com/zonerennes. On a deux fois de place à vous faire gagner pour d'autres spectacles, toutes les infos sont sur notre page Facebook, vraiment n'hésitez pas. On remercie les organisateurs du festival Héroupe et toute l'équipe qui nous a accueillis vraiment à bras ouverts avec une très grande gentillesse, donc vraiment merci à eux. Et on se retrouve très vite pour le troisième ZDR consacré à ce festival, donc vraiment à très vite. Voilà, bisous.